Hey, salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode chinchin. Bon, alors, j'ai modifié encore un peu la route et j'ai mis un centre commercial Modera. Modera. Modera quoi? Modera. Moderati. Ok, très bien. Non, c'est un bâtiment unique de. Ah, un centre commercial de la modération. Voilà. Ça a une pollution sonore, certes, mais on va dire que. C'est pardonnable par rapport à ce qu'il couvre. Il couvre quand même la ville principale, donc c'est quand même pas rien. Il va falloir juste que je détruise quelques bâtiments autour, notamment les maisons là. Alors, tout cela, je vais détruire du coup. Voilà, ici aussi, ici là, là. Voilà, et ça, je vais interdire l'accès ici. Pour éviter les petites pollutions sonores quand même, parce qu'il y en a qui risquent de faire un peu la gueule. Voilà. Hop. Et puis ici, je fais ça. Et je fais ça. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Et lui, je le décale au cas où. Alors, quand on va remettre, évidemment, je vais avoir un boom de... Bah justement, de personnes qui veulent venir dans notre ville. Hop, je reprends. Voilà. C'est en train de détruire de partout. Voilà, ici aussi, parce que je les ai demandé qu'ils reconstruisent quelque chose. On est un petit peu en excès. On va dire, on a un pic de population qui descend. Et quoique, ça commence à remonter. Petit à petit, ça commence à remonter. Donc, ça, en fait, ça a un coût, certes. Mais on va dire que ça fait quand même du shopping. Donc, on va dire, ça équilibre un petit peu les choses. Concernant la ville principale, on a une centaine de jobs en plus. Voilà, donc on va dire que c'est plutôt correct. Voilà. Et bah, ça fait des visiteurs et en même temps des tourismes. Hein. Donc du coup, ça permet justement d'avoir un petit bibiboum. Voilà. Alors lui, c'est vite tombé, c'est parfait. Donc lui, il va falloir juste qu'on attende qu'il y ait des personnes qui arrivent dessus. Alors. Ouais, c'est pas des. En fait, c'est pas des. Comment? Des petits problèmes. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Je pense que je vais faire une autre route ici qui va y accéder directement parce que je risque d'avoir des petits problèmes par la suite. Désolé si je vous tue tout. Évidemment, je ne peux pas ici. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas là? Ah, parce que c'est la route principale, d'accord. Voilà. Comme c'est la route principale, eh ben on va faire la route principale. Voilà. Comme ça, c'est un accès plus direct. Hop, et puis ça permet de profiter un petit peu de cette ville magnifique qui est. Ça commence à avoir de l'influence, donc c'est plutôt sympa. Ici, on va augmenter l'industrie, normal, hein. Parce que c'est en pleine expansion de cette industrie. Certes, ça fait de la pollution, mais osef. Hop, ça en supprime du coup. Ça, on peut rajouter jusque là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Concernant un petit peu tous les jobs actuellement, on a encore 300 personnes de libre. Donc, il va falloir commencer à mettre un petit peu de commerce. Parce que, bah, ils vont faire un peu la gueule sinon. J'ai fait le rond-point, parce que dans l'épisode dernier, j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas vraiment un rond-point, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Évidemment, il y a des feux. False. False, voilà. Comme ça permet justement d'avoir un trafic fluide. C'est plutôt ce qui est très sympa. Donc là, c'est un accès direct. Ici, il n'y a pas de feu normalement. Ici, il n'y a pas de feu, c'est parfait. Ici, il n'y a pas de feu, c'est bien. Ici, il n'y a pas de feu non plus. Ah, il commence à avoir beaucoup de personnes là-dedans, c'est bien. Petit à petit, vous voyez, ça commence à rentrer dans le détail. Ici, il y a beaucoup de morts.
Pourtant, santé moyenne, ils sont plutôt corrects, hein. Y a pas mal de décès, donc bah, on va vous rajouter ça. C'est au bord de la mer, c'est bien, c'est beau, c'est propre. C'est voilà. J'allais dire une marque, alors chute. Niveau de l'énergie, on commence à être un petit peu court. Au niveau de l'eau, disposition de l'eau, je vais peut-être augmenter un petit peu tout ça. Parce que c'est pas que, mais station de pompage. Hop! On va en rajouter un. T'as l'énergie, t'as tout, c'est parfait. Hop! Et puis ça pompe, ça pompe, ça pompe. Donc ça, c'est un bon point. Panneau solaire, on est correct, mais on va peut-être en rajouter un peu. Oups. Je peux le déplacer? Oui. Voilà. Donc du coup, je disais rajouter encore un petit peu de ça. Voilà. On va le mettre jusque-là. C'est très parfait. Une fois qu'on a plus de place concernant ça, on remettra une très grosse centrale. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas vraiment trop l'utilité. C'est juste que l'énergie, ça commence à coûter cher quand même. Dans le budget, c'est quand même 1 000 $. Donc voilà. Sachant que ça produit 8 mégawatts. Sachant qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 fois 8, 180. 182, pour être précis. 182 mégawatts, c'est quand même bien. Mais on va dire que 180. Ah, ça ne prend que 40. Oh! En fait, c'est plus rentable mon truc. 140. Eh, on est bientôt au-dessus. 140 mégawatts. 120. Eh, ça fait quand même 2000, hein. 2000 par semaine que ça. 2000. Et ça, bah, c'est du 36. 36. Ouais, c'est quand même un quart, quoi. Ça fait un quart de la production de l'autre, hein. C'est quand même pas négligeable. Donc on va rester bah, sur les panneaux solaires pour l'instant. On verra si on va pas mettre un champ complet, je dis bien complet, de solar panel. Ça a l'air beau en plus, donc autant en profiter. On va mettre un petit quartier quand même commercial. Sachant qu'ici, ça fait par là. Là, il y a un rond-point. Il va falloir que je fasse un rond-point qui permettra de faire là. Donc on va faire ce qu'il faut. Rond-point à 6 voies. Ouais, rond-point à 6 voies. Tac. Ah, on a atteint les 5 000 personnes. 5 500. Bâtiment niveau 4, spécialisation. Très bien. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Hop. Voilà, et on descend. Pas trop penché. Voilà. Donc ça c'est parfait, ça fait un nouveau point. Et on va du coup refaire une... comment? Un petit rond-point ici. Enfin un petit... Je suis modeste quand même. D'ailleurs qui sera pas vraiment un rond-point, mais c'est pas grave, OZEF. On va mettre ça et puis on va mettre un petit peu de bonheur. De bonheur la chance. On va prendre de ce point-là, on remonte et on descend. Là. Voilà. On y reviendra plus tard. Hop, on fait jusque-là et on descend jusque là. On va faire un rond-point direct. Un autre accès. Un autre accès, oui, bien sûr. Ah, on n'était pas très loin. Pas encore assez. Bon, c'est pas vraiment un accès correctement ce que je voulais faire. Hop. Ouais, l'accès, il est quand même plutôt là. Ouais, on va dire que c'est plutôt correct. Et du coup, comme c'est à double sens ici, hop, on fait ça.
à double sens. Voilà. Là, ça fait un accès double sens. Ici, parfait. Ouais. Je vais défaire ça. Il va remettre peut-être les feux. Voilà, c'est parfait. Et puis, du coup, ici aussi. Voilà. Donc, ça fait un accès rond-point. Il y a les feux. On met pas de feu. Comme ça, on est tranquille. Et bien, ici aussi, on va pas mettre les feux parce que sinon, c'est le gros bordel. Hop. Voilà. Et pas de feu. Comme ça, tout le monde peut rouler à fond. Géronimo. Voilà, ça commence à redevenir un petit peu fluide, hein, petit à petit. Ça redevient fluide. Voilà, comme ça, il y a un accès à la ville. Par ici et par là-bas pour le plus gros. Ah bah, on commence à prendre forme tout ça. Alors, le petit quartier commercial ici. Alors, il y a ça, que je voudrais d'ailleurs supprimer un peu quand même. Voilà. Hop. Voilà. On va refaire quand même un petit rond-point. Un petit rond tout beau, tout propre. Voilà, ça c'est magnifique. Est-ce qu'on avait des terres très fertiles ici? Non, pas du tout. Donc on peut complètement... Hop là. Voilà, c'est magnifique. Comme ça, on est tranquille. Hop, voilà. Du coup, on va faire un quartier commerce complètement ici. Tiens, je pense qu'on va faire le gros quartier commercial ici. Je pense que ça pourrait être pas mal, un gros quartier complet commercial. On va le commencer ici, du coup. Voilà. Voilà. Ah. Le mislick, hein. Des fois, c'est un peu chiant, mais... Voilà. Sauf le rond-point. Tac, au milieu. Plus ou moins au milieu. Tac. Voilà. Comme ça, c'est tout beau. Voilà. Et ici, on enlève le fameux petit rond-point. Voilà, tout ça, tout beau, tout propre. Voilà. Voilà, j'aime bien quand c'est... En fait, c'est net. Voilà. Comme ça, c'est correct. Alors, là, on a là, jusqu'où la vallée d'Elizabeth. On va pas l'appeler comme ça. Centre commercial. Hop là. Et politique. Recyclage. Ah. Interdiction de trafic chargé. Ah, ça, c'est cool. Donc du coup ici on va pouvoir faire interdiction de trafic chargé. Là on s'en fout. Ici interdiction de trafic chargé. Cependant pour ici en fait on va quand même l'autoriser hein, le trafic chargé là. C'est quand même la route. En fait c'est ça que je veux pas. Ouais, forcément ça me crée une autre zone donc hop on va complètement le virer. Voilà. Voilà comme ça. Interdiction de trafic chargé. Tac. Hop. On fait tout ce qu'il faut en fait. Voilà, et puis bah du coup ici on peut le supprimer. Hop. Allez, on continue toute la route, ça évite en fait le trafic chargé par la suite. Hein.
C'est si je le mets par exemple. Voilà. Voilà, c'est quand même plus beau, hein. Quand même. Voilà. Alors, en fait, c'est pour ça. C'est si par exemple vous mettez trafic chargé, oubliez pas en fait de le laisser le quartier. Du coup, ça c'est un autre quartier. On va le laisser comme ça. Voilà, comme ça, on va dire que ça a une liaison. Voilà, ça a une liaison. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est propre, c'est correct. Alors, agricole, centre commercial. Le centre commercial, quand même, il va être assez monstrueux, hein, il faut dire ce qui est. Donc, c'est plutôt un bon point. Alors, ça, centre commercial, trafic chargé, c'est tout ce qui est camion et autres. Mais comme c'est de la livraison de matériaux, eh ben, on va faire ce qu'il faut. Moi, je vais faire du coup les routes en tranquillou, hein, comme ça, sans vous. Et du coup, je vous montre un petit peu le résultat final. Donc, à tout de suite. Hey re, bon voilà, j'ai fait une partie, j'ai dépensé je crois 200 000 euros dans 200 000 dollars dans les routes correctement. Je fais des va vite comme ça, j'ai fait une truc bien droite, c'est moche. J'ai fait des courbes, c'est nettement mieux. Ici une grosse courbe de l'eau. Donc là, ça va être le sens commercial complet. Donc tout ce qu'il y aura en tant que commercial ici, bah ça va virer. Voilà. Donc tout ça, ça va virer. On va mettre que des habitations. Voilà, ici non. Voilà. Donc tout ça qui va là, il n'y en a plus. Là, on s'en tape les coquillages et les crustacés. Voilà, tout ça c'est beau. Ici on peut rajouter, ici on peut rajouter. Donc ça c'est parfait. Donc du coup, ça va être un excès là. Bien sûr, eux, ils vont pouvoir accéder par là. Il va falloir faire en sorte que, justement, on puisse avoir un accès via la route. Voilà. Et que, quand eux, ils repartent, ils peuvent repartir de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est très moche, mais on s'en fout. Voilà. Là, pas de feu. Pour que ça, qu'ils puissent repartir librement. Eux, je voudrais bien leur mettre. Ah, oh, il faudrait que je le mette différemment, ça. Peut-être une courbe qui va jusque là. Et eux, une courbe qui va de là jusque là. Ouais, ça pourrait être plus sympa. Que de faire un truc super dégueulasse. Naturellement. Hop. Genre, on le va foutre comme ça. Et on va le foutre comme ça. Et puis là, on va le foutre comme ceci. Il aurait mieux fallu en fait. Voilà. Ça va pas. Voilà. Pas de feu pour une accélération plus rapide. Pas de feu ici, pas de feu là. Pas de feu ici. Et pas de feu là. Voilà. C'est nettement plus simple. Déjà. Et eux, ils peuvent faire tout le tour. Patati patata. Bon, alors. Une fois que nous avons fait ça, on va commencer à leur mettre des petites routes quand même, les petits. Et je pense qu'en fait, je vais commencer à petit peu par là, à leur faire une petite route à sens unique ici. Voilà. Prendre trois inclinés, comment ça? Voilà.
sûr, on va les relier, hein. Sinon, c'est pas gentil. Voilà. Et bien sûr, ne pas mettre de feu. Voilà. Donc ici, bah, pas de feu, pas de feu. Hop, on fait vraiment que pas de feu. Eh ben, on va mettre de du marché, hein. Donc forcément, il va y avoir une explosion concrète de toute l'industrie ici. Bah, de l'industrie. Plutôt commerciale. C'est juste que je veux que l'énergie... Ah bah oui, j'ai oublié de remettre en route. On va faire ça, voilà. Et puis ici, on va juste le mettre là. Ah oui, merde, il manque de l'eau. Ah, c'est vrai que j'ai complètement zappé l'eau. Eh ben, on va mettre de l'eau, hein. J'ai oublié de rajouter l'eau. Voilà, on va leur mettre de l'eau. Voilà. Et du coup, il y a l'énergie qui arrive. Alors, il va falloir bien sûr. Ça, on mettra bien sûr au centre général. Hein, je veux dire, ici, faudra qu'il y ait tout ça pour eux. Voilà. Donc, au centre commercial, maintenant, il y a 50 véhicules, il y a 61 buildings, il y a 200 pour l'instant de jobs, et il y en a déjà une. Plus de 60% qui sont déjà pris. Donc, on va dire que le centre commercial fonctionne à merveille. Donc, ça va être très gros. Ça va être quasiment pour toute la ville centrale. Afin d'éviter que... Quoi, ils sont pleins? Plus d'espace? Putain, il y a déjà plus d'espace, quoi. Lol. Enfin, rajoutons-en. Policiers... Ça augmente, mais c'est plutôt sympa encore. Commercial. Donc du coup, ça, c'est en train de s'augmenter, de grandir petit à petit correctement. Cependant, on va quand même le faire tranquillement. Voilà. On commence à avoir de la très grande population. Donc, c'est plutôt bien. La prochaine étape, bien sûr, c'est... Politique fiscale, ok, on a tout ça à mettre en place. On a les grandes zones. Ah, l'usine d'incinération, ça va être enfin disponible. Ah la vache. Zone de bureau, ça va être cool. Les zones commerciales, densité élevée, ça va être important, surtout pour nous. J'ai une crapouille sur mon micro, moi, très bien. Donc du coup, bah, c'est en train de faire son chemin. Et vous voyez, on fait le tour. On fait tout le tour ici. Ils prennent ici s'ils veulent, hein, en fait. Ils prennent tout le tour. Donc c'est plutôt un bon point. Comme ça ils arrivent ici tranquillement. Et puis ça grandit plutôt bien, hein, parce qu'ils sont même très contents d'avoir des employés. À part ceux, bah, évidemment, qui font la gueule, hein, naturellement. Pas assez d'employés, voilà. On va avoir un bibi-boom d'exigence résidence élevée. Ah bah c'est pour ça qu'il va nous falloir les 8000 personnes. Voilà, là on est en train d'augmenter petit à petit en population. Donc c'est plutôt important. Au niveau de l'industrie, on va rajouter ce qu'il faut avec tout ce qui va à l'intérieur. Voilà, comme ça ils font leur petit quartier. Putain, c'est la pollution à grande échelle ici. Au niveau de l'eau, ça va. Au niveau de l'énergie, on commence à être bien. Donc c'est plutôt sympa. Bah, ça c'est tranquille ici. Ça fait son petit chemin de route, c'est sympa. On va commencer quand même à leur rajouter des commerces, hein, parce que ils en veulent, hein. Et sérieusement, ils en veulent beaucoup, justement, parce qu'il y a
demande commerciale. Bon, là, elle n'est pas vraiment extra, mais il y a quand même de la demande commerciale pour toutes les habitations qu'il y a autour. On essaye de faire ça correctement. Voilà, ici aussi. Voilà, jusqu'ici. Hop, voilà. Et au niveau de l'énergie, bah, évidemment, on est toujours aussi bien. Donc c'est en train de monter petit à petit. Ah, ça fait plaisir de voir une grande zone commerciale. Cependant, il va y avoir besoin de grandes zones, évidemment, d'habitants, forcément, hein, parce que c'est en pleine exigence. Là, c'est vraiment de la haute exigence, donc il va falloir qu'on débrouille un nouvel accès pour une grande ville. Alors, les panneaux solaires, c'était bien beau ici, sauf on va déployer une autre zone là-bas, et en espérant en fait qu'on va tomber exactement. Ouais, on est bientôt, en plus, il nous manque 2000. Voilà, une grande zone. Ah, bah, c'est bien, ça fait déjà des très bonnes zones. Là, on a le train aussi. On pourrait, ouais, on pourrait continuer ici pour faire une grande zone de ville, hein. Une grande ville ici. Cependant, ouais, on va faire quand même une grande zone quand même. On a un peu de minerai, hein. Ouais. Hop, voilà. On a une nouvelle zone pour, on va faire que de l'habitation ici. Ça va être le truc le plus badass, c'est-à-dire la grosse ville. Ça, c'est une petite ville secondaire. On pourrait les appeler villes secondaires 1 et 2. Et là, la ville centrale. Hein. La grande ville centrale qui sera bien. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir remplir cette zone commerciale. Ça, on commence à, en fait, à. Voilà, il commence à demander pas assez d'employés, ce genre de choses. Donc, on va leur faire plaisir. On va leur foutre une grande habitation ici. Au niveau de là, forcément, c'est que. Ah, on peut la faire la zone forestière. Ah, zone forestière, on peut la faire. Ouais, cependant, on va virer tout ça. Parce qu'évidemment, on va devoir demander quelque chose. Alors, on va mettre forêt, obligatoire. Agricole, hein, parce qu'il faut faire ce qu'il faut. Là, rien du tout. Ici, rien du tout. Ah! Commence à avoir du feu. Ah, ça crame carrément en plus. Photovoltaïque ne fonctionne pas. Sans déconner. Ah oui, ça brûle bien en plus, hein. C'est pas pour dire, mais ça flambe. On va leur foutre quand même une petite installation tranquille. Rien que pour eux, quoi. Oh, c'est infernal. Bah oui, ça a cramé, du coup. Vous êtes arrivés trop tard encore, les gens. Hein. Heureusement, j'ai du fric pour mettre ça. Hein. Alors, je leur ai mis, du coup. Alors, faites bien attention, faites comme moi. N'oubliez pas de leur mettre du courant. Du courant, et ainsi que. Je vais plutôt le foutre là. Ah non, je peux même pas là. Ah. Voilà. Hop, il y a du courant et évidemment il n'y a pas d'eau. Hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Il y a l'eau, tout ce qui va bien. Alors n'oubliez pas de mettre une antenne de pompiers quand même pour eux parce que c'est très important. Parce que vous avez vu, j'en ai eu deux ou trois qui ont cramé en espace d'arrière de temps. Donc il va falloir jouer un peu. La zone commerciale actuellement, ah ouais, on est quand, au niveau des jobs, on est quand même très haut, hein. Pourquoi en fait il manque des jobs? Ah oui, il y a l'industrialisation qui commence à manquer de personnes en fait, parce qu'on n'a pas assez d'employés. Donc ça, il va falloir un petit peu augmenter tout ça. Au niveau, bah ici, ça progresse petit à petit, hein. Ils sont même plutôt contents les gens. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? On va mettre quand même un grand centre, hein. On va leur foutre quand même le grand centre, hein.
C'est... Y a le grand centre complet, hein. On va leur quand même, on va leur foutre un moment, hein, mais pas maintenant parce que ça est trop cher. Mais on va leur foutre bientôt. Ouais, je vais faire une petite ellipse, voir un petit peu le temps que ça a mis pour l'épisode et je reviens tout de suite. Bon, oh là, journal de bord, très bien. L'épisode va toucher à sa fin parce qu'il y a déjà une demi-heure. J'ai pas vu le temps passer. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît autant. Moi, je vais tourner un autre épisode juste à l'instant, vous l'aurez plus tard. Et puis, on se retrouvera du coup, trois épisodes prochains, pour voir un petit peu tous vos commentaires. Putain, ça commence à être un petit peu l'anarchie ici. Il va vraiment falloir que je mette des habitations ici, hein. Sur ce, bisous tout le monde, et du coup, à la prochaine. Ciao!